Bonjour les amis, bienvenue sur Murelis Cuisine. J'espère que vous allez bien. Donc, nous sommes le 28 mars, donc on est confiné, voilà, donc je suis confiné aussi. Donc, je vais vous donner une recette avec les moyennes bords. Donc, avec très peu d'ingrédients, comment bien manger. Donc, la recette, ça va être le pain de mie sauté à la viande hachée. Franchement, c'est une super recette. C'est ce que j'ai pris hier soir pour le dîner, voilà. Donc là, je vais reprendre ça pour le déjeuner aussi. Donc, je vous explique tout ça étape par étape. Donc là, les amis, j'ai pris 2 à 3 tranches de pain de mie. Prévoir 2 à 3 cuillères à soupe d'huile. 2 cuillères à café de, cumin en poudre. 1 cuillère à café de paprika. 2 cuillères à soupe de sauce soja. Du sel pour le goût. Prévoir 2 cuillères à soupe de ketchup. Un oignon vraiment rikiki. Une carotte râpée. 100 g de viande hachée. Là, j'ai pris un steak haché. Donc là, les amis, pour commencer, je vais commencer par découper les tranches de pain de mie en petits morceaux. Voilà, en long, puis en large, comme ça. Vous voyez, des petits dés vite fait, voilà, comme ça. Voilà. Je fais pareil avec les autres tranches. Donc là, les amis, dans un wok ou une casserole, je fais chauffer un peu d'huile. Donc là, les amis, une fois que l'huile est chaude, donc je vais venir mettre les morceaux de pain de mie. Yep. Le but de jeu, c'est de les faire dorer pendant 1 à 2 minutes. Une fois les morceaux de pain de mie donc dorés, je les débarrasse. Puis dans le même wok, je mets un petit chouïa d'huile, vite fait, hein. Voilà, comme ça. Yep. Et là, je vais venir mettre la viande hachée, donc le steak haché. Yep. Voilà, comme ça. Voilà. Là, je vais venir les écraser tranquillement. Par contre, surveillez la température, les amis. Il nous faut, une fois qu'on aura bien séparé la viande donc en morceaux, là, comme ça, à mi-cuisson, je viens mettre donc, les morceaux d'oignon. Voilà, c'est parti pendant une petite minute tranquille. Et puis là, les amis, donc, je viens mettre la carotte râpée, voilà, comme ça. Le sel pour le goût, faites attention, la sauce soja est déjà salée aussi, hein. Voilà le cumin et le paprika. Hop, voilà comme ça. Je mélange bien l'ensemble. Si besoin, n'hésitez pas à rajouter un petit chouïa d'huile ou un petit chouïa d'eau. Donc j'ai fait cuire l'ensemble pendant 30 secondes à 1 minute. Et là les amis, je vais venir mettre la sauce soja comme ça un peu partout. Et aussi le ketchup. Hop, hop, hop. Voilà, je mélange bien l'ensemble comme ça, vite fait, rapidement. Puis, je viens mettre les morceaux de pain de mie, grillés, bien sûr. Je mélange bien l'ensemble, feu moyen, pendant une petite minute. Donc, voilà, les amis. Hop, 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 hop. C'est terminé, on peut couper le feu. Donc, les amis, voilà le travail. Franchement, un repas bien complet, équilibré pour une personne. Les amis, voilà le travail. Franchement, pour un dîner léger, c'est un bon plan. Voilà. Un steak haché, 3 tranches de pain de mie, une petite carotte. Franchement, voilà quoi. Allez, c'est parti. Donc, c'est 100 g de viande hachée. Franchement, très bon, trop bon. Désolé. Je l'ai testé hier soir. C'était tellement bon. Donc, gros belote pour ce midi. Donc, les amis, si vous avez aimé la recette, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu vers le haut. Partagez. Et surtout, abonnez-vous à ma chaîne. Merci et à bientôt. Soyez prudents.